Je m'appelle Clémentine Piazza, je suis la fondatrice d'In Memory. In Memory permet aux familles qui ont perdu un proche de créer un espace en ligne pour rendre hommage à leurs proches disparus. Chacun va laisser par exemple un message de condoléances, mais aussi un souvenir ou des photos. Donc à la fin, il y a toute la mosaïque de la vie qui est retracée par tous ceux qui l'ont connue, et c'est vraiment un magnifique hommage. Il y a 4 ans, en 2018, on a décidé d'intégrer l'accélérateur d'Alliance et ça a été une formidable aventure depuis. Un temps fort de l'accélérateur, ça a été pour moi un workshop qui avait été organisé avec Ken Singer, qui est le responsable de l'entrepreneuriat et de la tech au sein de l'université de Berkeley, qui nous avait beaucoup challengé sur qui étaient nos utilisateurs, quelles étaient leurs contraintes, qu'est-ce qu'il fallait résoudre pour qu'ils puissent adopter le service. Et ce workshop a été essentiel dans notre manière de faire puisqu'on s'est toujours attaché depuis à simplifier l'accès au service en ligne In Memory. Depuis l'accélérateur, on a beaucoup travaillé ensemble avec les équipes d'Alliance et ça a débouché sur un partenariat important parce que très utile pour les familles qui perdent un proche puisque le service d'hommage In Memory a été intégré à l'ensemble des contrats obsèques d'Alliance. Notre mission chez In Memory, c'est de permettre à chaque famille en deuil d'être entourée et d'être soutenue. Cette mission, Alliance la partage. C'est d'ailleurs pour ça qu'Alliance a choisi In Memory. Et aujourd'hui, on a encore de magnifiques projets ensemble pour que les familles puissent rendre de beaux hommages à leurs proches disparus et pour faciliter la discussion autour du deuil.